Salut tout le monde, c'est Réception du jour aujourd'hui pour une nouvelle réception comme je vous l'avais promis. Alors tout d'abord, avant de vous ouvrir tout ça, parce que j'ai reçu deux colis, enfin un colis mais il y a deux trucs dedans, pour vous dire que dans moins de 5 jours, il y aura une vidéo sur un jeu, donc un jeu vidéo sur PS3 qui va sortir dans pas longtemps. Et ça va être une nouveauté sur ma chaîne, le présentement de certains jeux, ça va pas être en avoir quoi, 3-4 l'année peut-être, et encore, c'est vraiment pas sûr. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir qu'il y aura une vidéo dans pas très longtemps sur un jeu d'à peu près 30-35 minutes. Ça dépend comment je peux gérer tout ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour deux t-shirts. Alors comme ça on pourra comparer, même si c'est pas les mêmes donc c'est un peu dur, comment taillent les t-shirts de cette marque là, donc Six Dune et de Project X. Donc Project X qui est mon deuxième coup de cœur de l'année pour les fringues. Et donc comme ça on va pouvoir comparer les Oversize Z, comment ils taillent, et on va voir ça tout de suite. Donc je suis de la boutique officielle. En tout, pour les deux t-shirts, j'en ai eu pour 63 euros avec les frais de port. Ce qui est chiant avec la boutique officielle, c'est qu'il faut tout le temps payer un frais de port. Tout le temps, tout le temps. Le moins cher, donc moi ce que je prends, parce que bon, puis encore le moins cher, c'est quand même pas donné. 3,90 € pour en plus pas que ça soit ramené chez vous. Parce que si vous voulez que ça soit ramené chez vous, c'est 6,90 €. Et si vous voulez en 24 heures chrono, c'est 7 et quelques ou 8, un truc comme ça. Donc franchement je trouve que c'est un peu abusé de la part de la boutique de faire ça, sachant qu'ils ont quand même pas mal de commandes, c'est un des plus gros sites de fringues de cette sorte là. Enfin bon, c'est eux qui gèrent. Alors, je suis désolé, je galère un peu, j'ai pas envie d'en faire comme la dernière fois où j'ai failli déchirer un t-shirt ou un. C'était un. Non, un. Comment ça s'appelle? Oh merde, un pantalon, voilà, good. Donc tout le temps comme la boutique officielle nous donne, c'est un petit une offre spéciale, un code de promo 5% qui ne sert strictement à rien, parce qu'au final quand tu veux t'en servir ou que tu veux accumuler les bons de commandes comme ça, au final ils seront périmés on va dire. Donc voilà. Donc pour les références, Design T-shirt Oversize Six Dune 171 VT blanc floral. Donc un coup de cœur. Et T-shirt Oversize Project X 88554-64 Black S. Donc je taille du S, donc j'ai pris du S. Donc les deux t-shirts sont aux alentours de 24,92 jusqu'à 24,99. Donc c'est à peu près les mêmes prix. Donc voilà. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur, et attention, je l'ai choisi, j'ai choisi les deux t-shirts avec ma copine, hein. Donc elle a un très très bon goût vestimentaire aussi, ma copine, et je la remercie d'avoir choisi avec moi. Ah, j'ai envie de commencer par celui de Project X, parce que franchement, déjà je remercie les gars de Project X, parce que franchement, ils sont super gentils, à chaque fois on se parle souvent sur leurs photos et tout de page Facebook, et franchement ils sont super super gentils et je leur remercie. Donc je leur dédie cette vidéo parce que j'ai commandé un très très beau t-shirt. De toute façon à chaque fois que je commande un truc de Project X, je crois que c'est la deuxième fois, franchement je suis toujours agréablement surpris et ils font quand même des bons trucs. Et j'ai la dernière fois que j'ai commandé un t-shirt oversize de chez eux, franchement j'ai c'est un coup de cœur. Et là c'était la même chose. Donc voilà. Donc texture que j'aime, j'adore cette texture là. Ça fait penser un peu au t-shirt de Spur. Hop, et voilà. Donc c'est un bien avoir sa vie comme ça, avec le dessin, les dessins comme ceci. Donc moi je trouve que c'est magnifique. J'ai eu un coup de cœur pour le design parce qu'il y en a plusieurs de ce style là. Donc voilà. Donc il est comme ceci. Donc un oversize. Donc on peut ouvrir ici les poches, mais attention, il y a quand même un petit truc noir pour pas que ça fasse un effet vide, parce que souvent les oversize, on n'arrive pas à prendre les bonnes tailles. Et c'est vrai que j'avais pris un pull oversize un peu de chez Six June. Et c'est vrai que quand on remontait la fermeture, ça m'arrivait à peu près à là. Donc c'est vrai qu'on voyait un peu mon corps. Enfin, entre parenthèses, hein, ça me dérangeait pas, si vous voulez, parce que je suis pas tout le temps les bras en l'air. Mais c'est vrai qu'on voyait un petit peu mon bide et ça me dérangeait. Donc là, c'est vrai que c'est une très bonne idée de la part de Project X. C'est pas pour faire de la lèche parce que je suis pas du genre. Et vous le savez très bien, quand j'ai un truc à dire, je le dis franchement. Je pense que les gars du groupe le savent. Et donc quoi. Un gros coup de cœur pour
Cet oversize, il coupe très très bien, arrondi, pas carré, il est arrondi au niveau du bas. Une bonne démarcation en fermeture ici, pour faire donner un bon style. Alors oui, j'ai à peu près le même style d'oversize chez Sigving, mais tout noir, donc il n'y a pas de décoration florale, etc. etc. Donc, c'était un peu chiant, parce que au final, on avait l'impression que c'était ça faisait une tunique, et c'est vrai qu'au niveau rendu, à part si tu mettais vraiment un bon gros collier, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais acheté mes colliers de chez Claire's, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que je l'avais pas dit en vidéo. Bah voilà, c'est pour ça que j'avais acheté ça, parce que c'est vrai que ça faisait un peu nu. Donc là on est déjà à 6 minutes, le reste ça fait... Et là, un deuxième coup de cœur, un oversize de chez Six Dune. Donc là par contre, il n'y a même pas de... Voilà. Il n'y a même pas de fermeture. J'aurais pu penser. Donc voilà, le design. Donc ça, je pense que ça va plaire à Gaspard, un mec de mon groupe. D'ailleurs, c'est l'un des peut-être pas des plus actifs, mais avec qui je parle le plus souvent, parce que voilà, on s'entend vachement bien. Donc voilà, il a un truc du même style à peu près. Et là, j'adore le stylo chinois-japonais numéro 23. J'aime vraiment beaucoup la coupe. Il a l'air par contre un peu large pour du S. Alors je sais pas si. Enfin voilà, il a l'air un peu large. Donc on va comparer au niveau de la largeur. Hop. Oui, il est quand même un peu plus large, donc on le voit sur le côté. Ouais, il doit faire 1 ou 2 cm de plus, donc c'est pas grand chose non plus. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous faire l'essayage et pour voir avec quoi on peut le mettre. Et bien sûr, j'attends vos commentaires pour que vous me dites vos exemples de tenues, quoi, pour si je peux le porter avec autre chose, s'il y a des trucs à rajouter dessus, par-ci, par-là, bracelet, collier, boucle d'oreille, etc., etc. N'hésitez pas à me le dire, donc, à tout de suite. Project X, excusez-moi. Franchement, arrêtez de faire des t-shirts super bien pour les bras, merde, j'ai l'impression d'être balèze. Non, mais sérieusement, mais c'est extraordinaire quand même. Je suis pas déçu, mais je suis un peu, comment dire, complexé, parce que en fait ce tissu là il colle à la peau, et comme je suis un peu complexé par mon corps parce que j'ai un peu de bidoche, du coup ça me complexe un peu. Mais putain, et pour les bras, mais c'est génial, parce que c'est deux articles que j'achète de Project X, deux articles qui, comment dire, même si ça me colle à la peau, mais putain c'est de la bonne taille, c'est la taille S, c'est la taille que j'attends depuis je sais pas combien de produits et je sais pas combien de fringues j'attends pour avoir ce rendu qui colle bien aux bras, qui colle bien aux pectoraux, qui colle partout. Et franchement, je vais me lever. Voilà, je me lève, je suis nickel. Moi franchement, je trouve ça super classe. Alors là, vous pouvez voir, donc là oui, c'est parce que c'est un peu large et tout, il est pas lavé et tout. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ma bidoche. Donc l'effet arrondi, comme je vous avais dit, donc qui donne un effet plutôt pas mal avec ce sarouel là. D'ailleurs, je remercie Cantigno, donc mon pote de d'ancienne classe, d'avoir trouvé ce style là, parce qu'il avait aussi un t-shirt oversize de Project X, je crois, et qu'il avait mis avec ce sarouel là. Et franchement, ça faisait un rendu super bien avec sa petite chaîne et tout de la boutique officielle. Donc merci Cantigno, parce que c'est grâce à toi, c'est toi qui m'a inspiré pour mettre le sarouel avec. Moi, je trouve que ça fait un rendu vraiment beaucoup. Vraiment pas mal, donc vous pouvez voir le derrière, le devant. Donc avec ça, mettez soit un petit bracelet, si vous avez des tatouages, vous n'avez pas besoin parce que votre bras est déjà pas mal, enfin voilà. Soit un petit bracelet clair, soit une petite chaîne, alors pas forcément or, parce que vu que le sarouel est clair, une petite chaîne argentée, ça suffit largement. Bon, continue, t'avais choisi autre chose, mais parce que t'avais une casquette aussi qui avait un truc en or, je crois, une fermeture en or. Donc avec ça, excusez-moi du bruit, je suis désolé, j'ai vraiment plus beaucoup de place. Donc avec ça, des petites chaussures blanches, et c'est clair, moi je suis désolé, je vais avoir que des chaussures bien blanches à Noël. Là, je suis désolé, je peux que vous présenter ça. Sinon, comme je vous avais parlé, Cantigno, il avait trouvé une bonne idée aussi de mettre des sneakers blanches, ça allait super bien. Sinon, des Supra blanches, ça ira super bien aussi. Donc là, je vais vous essayer le t-shirt de Six Dune. Je sais pas avec quoi le mettre, donc s'il vous plaît, aidez-moi. Je vais mettre avec un truc, mais commentez si vous me dites que ça ne va pas avec. Donc parce que je vais être un peu perdu avec ce t-shirt là, il est
J'ai quand même, il y a du rose, etc. Donc ça va pas être facile. Donc encore merci Projet X, merci mille fois de nous donner des beaux t-shirts comme ça fait vraiment plaisir. En plus, faut pas se mentir, vous aurez des photos pour meilleure qualité. Le design est vraiment magnifique, faut pas se mentir, faut vraiment pas se mentir, il est vraiment magnifique. Moi, voilà, j'adhère, j'adhère. Merci Projet X, merci, merci, merci. Donc voilà, à tout de suite pour le t-shirt de Six Dune. Donc me revoici. Donc pour le Sarwell, le t-shirt Six Dune, c'est pas la même chose, hein. Bon là ça prend quand même parce que je suis comme ça. Mais sinon voilà, là par contre ça lâche. Ça lâche, j'aime pas trop. Mais en fait, quand on se met debout, je vais vous le montrer tout de suite. Quand on se met debout, ça fait vraiment effet basketteur, genre c'est assez vachement ample. Alors c'est la même taille que l'oversize de Project X. C'est ça qui est bizarre, c'est que Six June, en ce moment, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis désolé s'il y en a qui me regardent de l'équipe de Six June, mais faut dire ce qui est vrai. Moi, je suis d'une nature assez franche. Et ça va pas. Vous faites des choses maintenant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui font 1m90, quoi, les mecs. Sérieusement, moi je suis 1m69, j'ai 19 ans. J'aime bien le style et je pense que ça me va bien sans me vanter, sans me donner des fleurs, hein. Sinon je pense que ça servirait à rien, les vidéos marcheraient pas autant. Et voilà quoi, je veux dire, à un moment donné, faites des trucs à la bonne taille, regardez Project X. Bon, j'ai juste fait une comparaison comme ça parce que j'ai reçu deux colis comme ça des deux marques. Mais je veux dire, même avant ça, je le savais, mon niveau des Sarouel là, c'est votre marque. Et il y a un truc qui va pas, quoi. C'est trop ample, alors que c'est du S. Il y a un truc, c'est pas normal. Ça devrait plus coller à la peau que ça. Ça, c'est pareil. Alors que regardez quand je me mets debout, s'il vous plaît. On dirait, je suis bonhomme Michelin, là. Sérieusement. Bon, ça donne un bon style, hein. Je dis pas ça. Mais, déjà, enfin, je sais pas. C'est trop ample. C'est trop ample pour ce que c'est. Un oversized, ça veut pas dire que c'est ample. Ça veut dire que c'est un t-shirt long avec un rajout de tissu de ça à ça, on va dire. Et il y a un truc, c'est... Alors, je dénigre pas la marque Six June, c'est une marque que j'affectionne particulièrement depuis le début, que je la connais. J'aime toujours la marque parce que sinon j'achèterais pas là-bas. C'est juste que au niveau des tailles, ressaisissez-vous les mecs, parce que ça va vraiment pas. Je veux dire, ouais, ça va pas. Il y a un truc qui va pas, je fais le tour. Donc j'ai pas trouvé grand chose pour mettre avec, je suis désolé, donc j'ai mis le Sarouel avec les patchs ici. Pour rappeler les t-shirts, j'ai remis ces chaussures là, donc dites-moi si ça va bien. Je pense que oui, parce que comment dire, les petites rayures ici, ça fait penser un peu aux chaussures, le noir et le blanc, donc je pense que ça le fait bien. Il y a un petit peu de bleu dans le t-shirt, bon c'est très 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 léger, je sais pas si on voit bien, hop, vous voyez, et derrière. Donc voilà. Donc il est très ample. Donc pour déjà la réception du colis, bon pour la boutique je vous mets un 6 parce que bon, Mondial Relais, ok. Je vois dans quel délire je suis parti. Ouais, faudra qu'ils arrêtent ça franchement parce que moi j'en ai marre. Ils sont trop longs, c'est un truc de ouf. Puis je veux dire, la boutique officielle, faites un truc pour que ça arrive chez nous, mais moins cher. Je veux dire, au prix de 3,90 €, vous pouvez nous l'amener directement chez nous, parce que c'est vraiment relou. Là, avant la vidéo, je suis parti aller chercher mon colis, la tata Windevant. En plus, je suis à pied, j'ai pas le permis, alors voilà, quoi. C'est la galère. Bah voilà. Donc la vidéo, déjà, elle va durer super longtemps. Je suis encore désolé, les mecs, hein, mais je parle de trop, je crois. Mais j'aime bien présenter les produits, j'aime pas bâcler mon truc, parce que sinon, ça sert à rien. Je préfère vous mettre des vidéos assez longues plutôt que des vidéos qui sont bâclées. Surtout que je suis autorisé à mettre des vidéos de 15 minutes. C'est pour ça que la vidéo gameplay au niveau du jeu, ça sera plus long. Et je pense que il y en a qui m'ont proposé 10 minutes, mais ça sert à rien parce que c'est le temps de présenter la présentation du jeu, de dire quel est le développeur, etc. Enfin, c'est bref, c'est aucun rapport avec la vidéo dans ce moment. Et pour dire. Alors. Moi je pense que mes deux marques préférées sont avant tout Six June, je l'avais en première place, c'est qui normal, et en deuxième place, qui est arrivé d'un seul coup sur la boutique officielle. D'ailleurs, je vous fais de la pub pour Jetpick parce que vous le méritez, franchement, vous faites des trucs magnifiques, des fringues magnifiques. Ils vont bientôt faire un site internet, donc j'espère, je vous partagerai sur le groupe de toute façon. Et d'ailleurs, venez sur le groupe, ça s'appelle Réception du jour sur Facebook. Je vous mettrai encore le lien en dessous dans la description.
Suivez-moi sur Instagram, vous aurez des photos de bonne qualité de mes fringues, souvent je le mets. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Facebook personnel, Clément de Tovales. Donc voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez aussi. Et si vous voulez faire une partie de PS3 avec moi, il n'y a pas de problème. MR Jeff Hardy 76. Donc voilà, je vous dirai sur la description aussi certainement. Donc voilà, donc pour noter tout ça, ouais, 6 pour l'envoi. Sinon, le colis était bien, donc je mets un 10. Pour Six Dune, à mis à part la taille, allez, je vais mettre un 8. Un 8, 5, 8, 8,5 pour voir ça les aides. Et pour Project X, je vais mettre un 9,9. Parce qu'il y a quand même le tissu, il est vraiment, c'est un bon tissu que j'aime bien, qui fait un, c'est un peu cool, tu te sens comme dans un truc où tu vas faire du sport. Mais en fait, c'est le truc qui colle à la peau. Donc après, c'est que mon avis personnel. Il y en a que ça va pas déranger. Hein. Moi, je suis complexé, donc j'ai un problème avec ça. Donc voilà. Donc moi, il y a des gens, ça va pas déranger du tout. Moi, je donne juste mon avis. Donc, là, sur Facebook, vous aurez certainement des photos. Que j'ai fait de mes fringues, comme ça vous verrez de meilleure qualité, parce que bon, la qualité cam c'est bien, mais pas bien en même temps, parce que c'est pas terrible. Même si j'arrive à faire du 1080p grâce à mon lecteur de montage, enfin à mon logiciel de montage. Donc voilà. Donc je vous dis encore 1000 fois merci les gars d'être présents, d'être actifs sur mon groupe. Mon groupe il est actif sans que j'ai besoin d'être là. Donc encore 1000 fois merci les gars, et puis continuez, continuez. Imposez votre style, on est là pour ça. On est le swag incarné. Non, je rigole. Non, mais franchement, les mecs, c'est bien. Je suis content que vous ayez un style que vous aimez, que vous portez librement, sans vous faire rejeter. Donc voilà. Donc je vous fais encore 1000 fois, 1000 fois merci, et continuez les mecs. Allez, ciao, bye bye.